Et je suis un peu excité parce que c'est l'anniversaire d'une de mes amies, alors j'ai promis de lui faire un cake un peu spécial là. Bon, pas très spécial parce que tout le monde connaît ce cake. C'est un cake très simple que tout le monde peut faire. Je dis bien tout le monde, même un bébé. Parce que c'est, ça porte le nom, tout le monde le connaît bien, c'est la recette du cake au yaourt. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'une machine, d'une batteuse électrique pour tourner la pâte. Même une cuillère en bas ou un fouet peut vous aider. Et voici notre mesurette, pas besoin de balance. Donc, comme je dirais, c'est notre pot de yaourt. Pour cela, il faudra un pot de yaourt, du sucre. On ne va pas mettre tout le sucre, on va mesurer. Pour cela, il faudra deux pots de sucre, deux pots de farine, un pot d'huile croisée, une levure. Et pour mon montage, je vais utiliser du cacao en poudre. Et pour cela, maintenant, la suite en vidéo dans un silence culinaire.
Amis, la recette est terminée et n'oubliez pas toujours de vous abonner, de commenter, de liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr, et regardez l'intérieur. Je me suis coupé, toujours parfait comme d'habitude. Le résultat est extraordinaire, moelleux et tout comme d'habitude. Et si vous avez des recettes un peu spéciales à me demander, si vous n'avez pas compris quelque partie dans ma vidéo, si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas de me follow sur ma chaîne Instagram, Nelson le Pélican. Et si vous avez des recettes à me demander, toujours là-bas, allez-y. Je serai à l'écoute. Et peu importe ce que vous avez à me demander, je serai là. Et à la prochaine.